Bienvenue sur Talk & Go. Choisissez votre destination. Vous avez demandé direction Mâcon sur l'Aude. Non. Neurt sur mer. Prochain croisement, tournez à gauche. Putain, mais c'est pas vrai, ça marchait quand on est parti. Axel, ça n'a jamais marché. C'est bon, c'est une version bêta, ça peut arriver. Ça fait deux ans que c'est une version bêta, tu peux pas trouver un vrai travail. Et tu peux pas éteindre ta dôme. J'essaie. C'est pas simple que ça, c'est plus compliqué que... Au prochain croisement, tournez à gauche. Passe-moi les Xanax dans mon sac. Vous avez demandé direction Xanax. Merci. Primo, tu fumes pas dans ma voiture. Et deuxièmement, tu dois vraiment arrêter de fumer. Enfin, Axel, ça te bousille la santé, d'accord? Fumer, c'est mal, ça fait combien de fois que je te le dis? Alors Primo, je t'en supplie, t'arrêtes de faire comme maman. Deuxièmement, tu prends des Xanax, tu me demandes à moi d'arrêter de fumer? Sérieusement, Sophie. Axel, moi je travaille, d'accord? J'ai des responsabilités, j'ai un prêt à rembourser, j'ai une famille à nourrir, j'ai plein de choses à faire. Mais tu rigoles, t'as personne à nourrir, t'as pas de copain, t'as pas d'enfant. Enfin, Axel, toi t'as fait quoi ces deux dernières années, mis à part créer une appli à la con qui marche même pas? Vous avez demandé. Tu sais qu'on se demande ce qu'on va faire de toi avec les parents. À gauche. Je te préviens, Axel, je ne veux pas d'embrouille au mariage. Aucune embrouille. Au prochain croisement, tournez à gauche. Je comprends toujours pas pourquoi il t'a choisi. Comme témoin? T'inquiète, moi non plus. Par contre, je sais pourquoi toi, ils t'ont pas choisi. Ah ouais? Bah ouais. Je veux dire, ça coule de source. T'es une grosse casse-couille. On va y aller au mariage, mais d'abord je vais faire une pause. Non, tu restes là et tu fais marcher ta putain d'appli. Là, t'as passé deux ans à essayer de créer un truc qui marche pas. Alors, Axel, assieds-toi. Viens ici et on part, on nous attend, on va être en retard, d'accord? Ça va être de ta faute encore, parce que c'est toujours de ta faute, de toute façon. Hey, on va pas être en retard parce que demander notre main, ce qui va nous faciliter la tâche. Et bah tu te dépêches, alors t'as deux minutes pour le faire, d'accord? Je te chronomètre, deux minutes et tu viens ici. Pas te chercher, démarre-toi tout seul pour le mariage, puis t'as pas intérêt d'être en retard, là c'est bon quoi. Tu nous fais tout chier, on sait plus quoi faire de toi. Allez, salut. Ouais, maman? Salut, c'est Axel. Ça va? Ouais, ça va, ça peut aller. Dis, ouais, je voulais te demander. T'en as déjà parlé? Mais... On s'est juste engueulé. Est-ce que c'est une raison de me laisser comme ça? Ok, ouais, j'ai compris. Écoute, là, vraiment, je peux pas te parler. Est-ce que tu sais si quelqu'un passe par ici? Tante Hortense. Je vais me débrouiller tout seul. Mais non, c'est pas ça, maman. C'est juste que Tante Hortense, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu. Ah, pas se ramener là et... Oh, Tante Hortense, salut! Non, c'est pas possible. Mais oui, je vais me débrouiller. Tiens, je vais faire du stop. Ouais, allez. Par contre, je vais devoir y aller parce que sinon, je serai jamais là. Allez, bisous. Salut. Thank you.
perdu ? Pardon ? T'es perdu ? Ah non, pas du tout, je fais juste une pause. Je me rends à un mariage, c'est celui de mon frère et je vais être le témoin. Ouais, t'es perdu quoi. Ouais, on peut dire ça. Tu veux pas du feu s'il te plaît ? Si. Cool. Toi, tu fais quoi ? Je travaille juste là, en cuisine. Ah, mortel ! Ta gueule. Sympa, le t-shirt. Quoi ? Non, je disais, ton t-shirt, il est plutôt cool. Ah ouais ? Cool, merci. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Non, c'est ta dégaine. C'est pas mal. C'est parce que j'ai pas eu vraiment le temps de me changer. Non mais c'est pas mal, j'aime bien. Costard, ça fait un peu Blues Brothers. Ouais, ça va être le blues. Pourquoi c'est blues ? C'est blues parce que je suis coincé ici comme une merde. T'attends quelqu'un ? Non. T'es sûr ? Ouais, je suis totalement libre. Ok. Bon. Là, je vais devoir y aller. Bon courage. Ouais. Pas vu, mais toi tu as toujours une bonne. Et viens faire un béco à Tantortons. Mais c'est ta mère qui m'a appelé pour que je te vienne te chercher. Putain, non mais je sais pas ce que tu leur as fait, mais ça sent le sapin là-bas. Oh, putain, ça va, t'as grandi, hein. T'as garde. Oh putain, elle était bien moche quand même. Hein. Tu vas venir saper comme ça au mariage. Allez, viens, prends. Quel mariage? Au prochain croisement, tournez à droite. Mais qu'est-ce qu'il fout ce truc ? Moi, je crois que... Je crois que si j'étais toi, je sais pas. Je pense que je laisserais tomber. Je rentrerai chez moi. Je vais appeler ma sœur, lui dire que je regrette, elle va venir chercher. Putain, t'as vraiment des figues à la place des couilles, quoi. Je trouve que tu rends un peu vite les armes. Toi aussi. Ouais, pourquoi ? Parce que je sors les poubelles ? Non, pas du tout. C'est juste que tu m'as dit de rentrer chez moi. Et que c'est aussi la loose. Ouais, mais je sais pas, au moins tu vas pas au mariage.
Bah moi je vais y retourner. Ouais, moi aussi, bah, du coup je te dis bonne route. Ouais, bah toi bonne cuisine. Can you wait 2 minutes? Yep, no, sir. Давай. Hey! Je te cherchais. J'ai rencontré un routier, il va à Berlin, du coup, il va pouvoir me déposer. Ok, c'est mortel. Ouais, c'est plutôt cool. À Berlin. Ouais, je suis tombé sur des petits livrets à l'accueil, des photos, ça a l'air plutôt cool. Ok, c'est chouette. Et du coup, tu vas pas au mariage de ton frère ? Non, là je me casse. Ok. Tu veux venir ? Non. T'es sûr ? Ouais. Ok, bah il m'attend, du coup je devrais y aller. Je suis content de t'avoir connu.